Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tadam! Voilà un mini haul action, 2-3 nouveautés à vous montrer et qu'on va tester ensemble. Donc je suis allée à Action parce qu'il me fallait du PQ, voilà. Et j'ai failli ressortir sans comme d'habitude. Bon, alors j'ai pris des nouveaux stickers que j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. Parce que ben voilà, je l'aimais bien. Il était un peu dans le style shabby comme ceci. Et là, j'ai pris voilà celui-là, donc recto verso. Ils sont mignons, j'aime bien. Mais celui que je préfère, et vous savez que j'adore scraper le citron l'été. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors je le voulais en deux fois, mais bon, il n'y en avait pas, il n'y en avait qu'un. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Franchement, il est juste canon. Vraiment, je l'adore. Alors je vais les transformer en die cut. Ceux-là, je ne vais pas les laisser en stickers. Et je ferai une petite carte avec. Franchement, ils sont vraiment trop trop beaux. Celui-là, j'ai vraiment flashé dessus. Et voilà, j'adore scraper le citron, tout ça. L'été, c'est frais. C'est voilà. Donc du coup, je l'ai pris. Ensuite, j'ai repris deux paquets de pochettes comme ceci, au cas où. Voilà, pour faire un petit stock. Parce que vous savez que ça, normalement, enfin apparemment, ils vont les arrêter. Mais on ne sait plus maintenant avec Action. Parce que là, apparemment, ils changent tout. Tout, tout, tout. Donc, j'ai filmé dans le magasin. Mais voilà, ça va être à peu près ce que je vous ai montré. Moi, j'en ai pris qu'un. Alors, c'est des nouveaux tampons. Et les autres, en fait, moi, il n'y avait que deux couleurs chez moi. Donc, ils ont sorti des nouvelles encres comme ceci. Il n'y avait que ça en couleur. Donc, dans les tons de bleu. Alors, je pense qu'il doit y avoir plusieurs couleurs. Il doit y avoir du rose, du jaune, tout ça. Donc, à tester. Donc moi j'ai pris les deux couleurs qu'il y avait chez moi, mais je pense que voilà, il doit y en avoir d'autres. Donc on a 1, 2, 3, 4, on a quand même 5 pattes d'encre pour 1,99€. Donc si elles sont bien, franchement ça va, ça vaut le coup. Voilà, si elles sont bien, je dis bien, après, voilà. Donc là, j'ai du noir. Ben là, il y a deux noirs en fait. À chaque fois, vous allez avoir un noir. Et vous avez des numéros en plus. Donc là, j'ai le 10. 11, 12, 13. Et là, j'ai le 14, 15, 16, 17. Donc, ben, déjà, j'en ai 17. Donc, je pense qu'il y a vraiment d'autres couleurs à côté. Hâte de voir les autres couleurs. Mais déjà, on va tester celle-ci. Et ils ont rentré des tampons comme ça. J'en ai pris qu'un et il y avait 3 ou 4 modèles. Je les mettrai en fait en short, en vidéo short. Là, je vous filme avec ma cam normale. J'ai pas voulu prendre le téléphone. Donc, il y a 3 ou 4 couleurs différentes. Donc moi j'ai pris celle-ci. Après il y avait thème anniversaire, il y avait thème un peu Noël. Enfin bon, il y avait plein de trucs. Moi j'ai pris celui-ci avec des fruits. Enfin bon voilà, des petits machins. Il y a un petit poisson, il y a un ballon. Ça je pense que c'est plus thème été. Ouais, à voir. Donc c'est des tampons en genre plastique, des timbres en bois. Avec, il y a 32 illustrations. Donc en fait, ça fait un cube. Donc c'est trop bizarre. C'est pas dans le rayon enfant. C'est vraiment dans le rayon. Vous voyez, dans le rayon. Comment ça s'appelle ben, scrap quoi. Ah, mais je suis bête. C'est écrit là en fait. Là, vous voyez, musique, jardin, sport, soleil, animaux, fruits, espace. Voilà. Donc c'est là en fait. J'avais pas vu. Je cherchais en fait et j'avais pas vu que c'était là. Donc ben, écoutez, on va tester. Et en même temps, on va tester les encres. Donc je vais prendre une petite lingette avec moi. Ça. Alors après, ce que ça donne, je n'en sais rien. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un pour des tests. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, vous avez sport, fruits, soleil, espace. D'accord, ok. Musique, animal, jardin. Et là, c'est des étoiles. D'accord. Donc voilà, ça vous fait... À chaque fois, 4 tampons sur le truc. Donc après, pour les ranger, je pense que c'est plus simple de les ranger là-dedans. Ça prend de la place, mais bon, à voir. Franchement, ouais, à voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on teste ensemble, au cas où, comme ça, si bah, c'est nul, ne l'achetez pas. Après, les encres, ça peut être sympa. Donc on va tester aussi les encres. Hein. Alors, mélingettes. Mélingettes. Elles sont là. Tac. Donc déjà, on va tester la noire et après on va en tester d'autres et après on va tester en faisant un petit peu
voir comment elle fonctionne en dégradé, tout ça. À voir, hein, là, c'est vraiment la première fois qu'ils sortent des comme ça. Et là, ça peut peut-être être intéressant, justement, d'acheter toutes les couleurs. Alors, moi, je vous dis, il y en a peut-être qui sont déjà arrivés avant moi et qui ont pris les couleurs qu'il y avait déjà. Mais moi, je dis que ça peut être sympa. Bon, j'ai tout qui tombe. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, donc on peut les empiler en plus comme ça. Donc, ça, c'est top. Alors, après, là, on a les numéros qui sont écrits ici. Vous voyez. Donc, là, on a un bleu. J'adore ce bleu. Bon, après, voilà, c'est pas les couleurs que j'affectionne. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a un genre de vert mint un peu. Là, on a un bleu ciel. Et là, on a le noir. Donc, on va tester d'abord le noir. De toute façon, le noir, je pense qu'il est lié dans toutes les boîtes. Donc, du coup, voilà. Alors, c'est parti. Donc, à voir, hein, comme je vous ai dit. Bon, le tampon, déjà, il n'est pas. Vous voyez, il est pas droit, quoi. Il est penché un peu comme ça. Mais après, si ça fait le boulot, ça va. Après, moi, je sais que j'avais acheté les petits carrés, là, dans les boîtes. Et ça a vite séché. Alors là, est-ce que ceux-là, ça va être pareil ou pas? Voilà. Mais bon, après. Pour débuter, ben là vous voyez celui-là est déjà abîmé, super. Pour débuter ou quoi au caisse, j'ai envie de vous dire, quand on n'a pas de. Quand on n'a pas de. Déjà si je tamponne pas à l'endroit. Alors moi j'aime pas ce qu'on voit les marques là autour. Quand on n'a pas de matos pour débuter, franchement les encres comme ça peut être vraiment bien et elles sont vraiment pas chères. Alors là j'ai testé le poisson. Alors au niveau de l'encre. Hop, alors l'encre noire, franchement, je sais pas si c'est le tampon, mais on n'y voit que dalle. D'accord? Donc je vais essayer moi avec mon encre à moi. Donc l'encre noire, elle n'est pas. Hop. Alors est-ce que c'est le tampon ou pas? Non, voilà. Donc l'encre, voilà. L'encre noire déjà. Hein? C'est pas fifou quoi. Pas fifou, c'est pas fifou. Le tampon en lui-même, il est pas mal. Alors attendez, on va essayer une autre couleur. Hein. L'encre là, il est pas. Vous voyez, c'est celle-ci. On va prendre autre chose. On va prendre ça. Donc, ça, après les petits tampons comme ça, je pense que je les filerai au neveu de Jérôme. Ils seront contents. Oh, pouf. Alors peut-être pour faire des fonds, mais alors putain. Toto, tu vas tomber. Alors moi j'en ai pris deux boîtes en plus. Vous voyez, je vous ai dit ouais, non, non, non. Ça peut valoir le coup. Bon, celle-là, ça va. Alors, peut-être pour faire des fonds. Alors, vous voyez, ça marque vachement, par contre, sur le tampon, quoi. Alors, peut-être pour faire des fonds. Mais là, en tout cas, le noir et celle-là, c'est pas terrible. On va essayer une plus foncée, là, voir. Alors, les tampons, vous voyez, ils fonctionnent bien. Après, on voit un peu la marque, là, mais bon. Tac. Sais pas si c'est le tampon ou l'encre qui ne veut pas quoi franchement alors attendez on va essayer de se prendre un tampon basique donc là c'est florilège hein, donc normalement ça devrait aller, ça c'est un truc que j'avais eu dans un magazine et que j'ai retrouvé là. L'autre fois et j'ai dit tiens, ça serait bien que je les utilise. Donc là on va prendre un tampon pif. Donc là normalement cela devrait bien fonctionner. Parce que voilà, c'est florilège. Du coup. Est-ce que ça fonctionne mieux? Alors ça fonctionne un petit peu mieux avec celui-là. Mais vous voyez la couleur, elle n'est pas. C'est pas folichon, quoi.
coup, je vais retester le noir avec celui-ci. Par contre, votre tampon il est marqué après. Hop. Ouais, bon, écoutez, ça fait noir. Là, ça marche un peu mieux. Ça marche un peu mieux quand même. Ouais. Alors, c'est peut-être les tampons, je sais pas. Les tampons, je vous ai pas dit, sont à 2 euros et quelques, je crois. Les tampons. Bon, après, on en a, combien ils disent? 30, 30 et quelques. Bon. Perso, je kiffe pas. Voilà, perso... Voilà, moi je vous dis, je vais les donner aux petits neveux. C'est pour ça que je les ai pris. Je me suis dit, tiens, si au pire, je les donnerai à la mère à Jérôme. Comme ça, elle pourra faire tamponner les petits. Je vais lui donner une encre noire avec. Comme ça, ils feront des tampons. Ils s'éclateront avec. Et puis voilà quoi. Mais ouais. Pas convaincue quoi. Je vais essayer celle-là, encre noire, voir sur la deuxième si elle est mieux. On va faire des petites étoiles. Voilà, c'est pareil. Alors, c'est un genre de plastique, vous voyez. Toto, c'est un genre de plastique, donc je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas convaincue. Voilà. Alors, après, on va essayer de faire un fond, comme je vous ai dit. On va essayer une plus foncée. Voilà. Alors moi les tampons j'aime pas du tout. Voilà, donc déjà ça c'est réglé. Le tampon j'aime pas. Et les encres, je suis sceptique. Vous voyez, je vous ai dit, ça serait bien de prendre tout, mais finalement, voilà. Là ça va. Avec un tampon normal, ça passe. Pour les encres, si. Je pense que pour les encres, ça peut le faire avec un tampon normal. Et encore, ça dépend des couleurs. Voilà, ça dépend des couleurs. Donc moi, je vous laisse faire votre avis. Au moins comme ça, moi, j'ai fait le test pour vous, pour éviter que... Toto ! Pour éviter que vous achetiez pour rien. Bon, voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se... Va avec Elia là-bas, Titi. Tout va bien se passer. Donc, bon, attendez 2 secondes. Non, j'ai mis Toto avec Elia, comme ça, le temps que je finisse au moins cette vidéo qui est un gros flop pour moi. Voilà, donc là, je vais ranger les petits tampons. Je vais les donner à la mère à Jérôme. Voilà, pour les petits, ils vont s'amuser avec. Je lui filerai un... Je vais lui donner avec un pad d'encre, comme je vous ai dit, noir. Ouais, ben, vous voyez, je vous ai dit, vous les rentrez dedans pour les ranger, mais... C'est pas pratique non plus. Ouais, c'est pas... Faut les ranger comme ça, en fait. Vous voyez? Comme ça, là. Tac. Hop. Et encore. Ouais. Ben, quand je les ai vus, déjà, j'ai hésité. Mais j'ai dit, tiens, je vais quand même les tester, voir. Et comme je vous ai dit, après, ça fera un petit cadeau pour les petits. Vu que ça va bientôt être les vacances, ça les occupera. Et puis voilà quoi. Voilà, et après ils ont plein de choses pour s'occuper, mais pourquoi pas. Hop, donc ça, bah, ça va aller pour les petits. Moi, je ne m'en servirai pas. Et les encres, là, on va essayer de faire un petit dégradé. Donc là, je vais mettre un pad d'encre noir avec. Donc bon, pourquoi pas les encres avec, comme je vous ai dit, mais avec un autre tampon que ceux-là que j'ai essayé. Et là, je vais prendre un... Une mousse, si je trouve une mousse, ça c'est plus fin, une mousse, voilà. Je vais prendre. Est-ce que j'ai mes anciens trucs? Je sais même pas où j'ai rangé mes trucs. Juste aux mousses là, c'est pas grave, facile. Avec ça. De toute façon, on peut faire avec n'importe quoi. Alors.
Après, je prends pas le meilleur truc à manger. Je vais pas mettre la main sur le machin. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ça va. Je vais en prendre un autre. Alors. Bon, après, pour faire des fonds, vous voyez, ça peut le faire, quoi. Vous voyez, pour faire des fonds, ça peut le faire totalement. Alors, après, je sais pas si elles sont aquarellables ou pas, celles-ci. Je pense pas. Après, c'est bien, ils essayent de nous sortir des nouvelles choses, quoi, vous voyez. Mais là, ouais, pas du tout convaincu par rapport au tampon, par contre. Après, là, les encres, comme je vous ai dit, c'est... Voilà. Après, voilà, vous pouvez quand même faire, vous voyez, des fonds avec. Ça marche quand même assez bien. Mais... Voilà. Pour la dépanne, c'est pas mal. Pour la dépanne. Mais après, voilà. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas les encres. Les encres, oui, je dis oui. Je sais plus si c'était celui-là ou pas. Les encres, je dis pourquoi pas. Mais je pense que dans le temps, elles vont pas durer. Voilà. Ça, c'est à mon avis. Elles vont vite sécher comme les anciennes. Bon, après, c'est 2 euros. Hein. Voilà, c'est 2 euros. Ça peut faire le taf pour justement faire... vous voyez, celui-là, on le voit. On le voit pas, quoi. Celui-là, il est sec. Hein. Regardez. Celui-là, faut vraiment y aller, quoi. Encore. Mais bon, voilà, vous voyez, pour faire un petit fond, voilà, ça peut le faire. Ça peut le faire. Oh, j'ai fait comme une patte de chien, vous avez vu. Pour faire les fonds ou pour faire des tampons, là, comme j'ai fait tout à l'heure avec des tampons normaux, ça peut le faire. Maintenant, à mon avis, dans le temps, je pense pas que ça soit... Alors voilà, pour ancrer aussi. Après, si, ça peut servir. Hein. Voilà, on peut ancrer, on peut faire plein de choses. Alors, les encres, ok, je suis partante. Après, ça ne fonctionne pas avec... ça, c'est vraiment... ouais, voilà, ça, c'est nul. Mais les tampons, enfin, les encres, pourquoi pas. À voir les autres couleurs qui vont sortir, parce que je pense qu'il doit y avoir toutes les couleurs, du jaune, tout ça. Ça peut être vraiment sympa pour faire, comme je vous dis, des fonds, des machins, tout ça, tout ça. Maintenant, comme je vous dis, à voir après avec... avec le temps. Bon, après, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, c'est 2 euros. Vous en avez 5 à l'intérieur. Donc, ça vaut le coup quand même. Même si ça sèche, si vous avez un projet ou quoi à faire. Moi, je pense que, voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même. Et il y a des belles couleurs. Franchement, moi, les couleurs, celle-ci, elle est super belle. Celle-là aussi. Voilà, il y a vraiment, des belles, belles couleurs. Maintenant, après... maintenant, voilà, il y a des belles couleurs. À voir les autres couleurs, à voir. Comme je vous dis, moi, il n'y avait plus que ça. Donc, à voir après pour les autres. Alors, vous voyez, le gris, c'est pareil. Il n'est pas super marqué, je trouve. Donc, ouais. Après, ils n'ont pas une pigmentation de fou, quoi. Voilà, mais pourquoi pas. Ou pour faire des fonds comme ça, ou pour faire des... Je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire. Moi, je suis moyennement convaincue. Ça va à peu près, mais moyennement convaincue pour ces pattes d'encre. Ouais. Moyennement. Malgré le prix, ça peut valoir le coup, je vous dis, quand on débute. Mais je sais pas. Ouais, j'ai un petit truc. Je sais que je n'achèterai pas les autres couleurs. Voilà, même si elles sortent et tout ça, je ne les prendrai pas. J'ai celle-ci.
Donc je vais les garder parce que c'est pas des couleurs que j'ai forcément pour faire des fonds, voyez. Mais après je n'achèterai pas, voilà, je n'achèterai pas les autres couleurs. Et les tampons pour moi c'est un gros flop. Ça fait des traces autour, donc je sais que ça dépend comment on tamponne ou quoi que ce soit. Parce que là je l'ai pas fait la trace, mais vous voyez au niveau des, bon lui c'est bien tamponné avec mon truc, mais au niveau des trucs là, je trouve que ça tamponne pas de fifou quoi. Voilà mon avis sur ça. Donc moi je vous laisse vous faire votre avis. Donc voilà, moi j'ai pris pour vous, pour vous montrer. Donc gardez vos 2 euros et quelques. Bon là vous voyez, avec une encre normale encore, vous voyez ça passe. Ça passe. Voilà, ça tamponne bien quand même avec une encre normale. Maintenant avec celle-là, ça tamponne pas bien. Voilà, mais si vous prenez une encre, une Memento ou n'importe, voilà, ça va bien tamponner. Je pense que ça se trouve, c'est les encres aussi. Donc, à vous de faire votre avis, mais voilà, pour moi, c'est pas le... Ils ont fait mieux. Je pense qu'ils feront peut-être mieux, j'espère. J'en ai fait quoi de ma petite lingette, les amis? Je ne sais pas. Ils ont fait mieux, je pense, et je pense qu'ils ils feront mieux, j'espère aussi. Bon, je ne sais pas où est ma lingette. On verra ça, on verra ça, on verra ça. En tout cas, là, ils sont en train de nous sortir plein de trucs. Maintenant, je regardais s'il y avait... Il y a un des nouveaux blocs qui est sorti, qui était super mignon, que j'aurais voulu prendre, mais il n'y est pas. Après, les autres ne me plaisent pas du tout, par contre. Mais du coup, j'en prendrai qu'un. Mais on va voir après ce qu'ils vont nous sortir dans le temps pour les papiers ou autre. Voilà. Donc pour moi, c'est mitigé. Hein. C'est plus un flop qu'un top par rapport à ces produits-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien. Restez comme vous êtes, surtout. Et protégez-vous la team. Bisous.